Mais il a beaucoup à découvrir qui l'être humain est fait. Il a beaucoup de bons mots à faire. Si on se dit qu'il a mal de bons moyens de transport, papa va faire nous pousser. Il a mal de bons mots qui peut-être un peu inutile de nous. Ça transporte pour un petit bout de l'eau là, on est qui fait un vrai là. Mais il a mal de faire qui est utile. Si vous avez une famille à l'étranger, vous êtes voyagé, il y a un avion, il y a un bateau, il y a pas que ça fait, qui est la terre, qui va dire que vous faire, qui voudrait même bien servir, et même tout ça va être source, qui vous trouvez là, la lumière, tout ça va être fait là. Et c'est pas Dieu qui dit, pas qu'à vous m'aider. Lui, ce qu'il fait, il dépasse ce que l'être humain fait. Loin est. Dépasser. Car imagine, mon Dieu, elle sait le coup quand il crée la terre, avec tout ce qui existait, l'indière qui la terre produire, banzor, produire tout bonne verdure. Et vous connaissez, ça reste produire. Bénin arrêté. Là, nous arrivons dans novembre, décembre, alors que de tout de haut, tous les petits mélons. L'année prochaine, même date pareil. C'est-à-dire, et que ce soit poisson reproduire, les animaux reproduire, l'être humain reproduire. Bon Dieu, il sait qu'il est libre, libre même au-dessus de tout. Amen. C'est-à-dire, les bêtes qui l'être humain, vous m'avez dit, les rôles calculés, vous m'avez dit, pour la gloire. La gloire appartient à Dieu, le Créateur. Personne, pas le faire aucune démence pour gloire, parce qu'il te vous paraît ridicule. Divant un grand bon Dieu qui ligue la toute puissance, toute la gloire pour lui, tout l'honneur pour le Seigneur. Alléluia. Béni soit notre Seigneur. Et bien, il est commence pour un moment de louange, de prière. Et je suis content, mes amis, qui nous a avec nous debout un moment. Et nous ouvrons le cœur vers le Seigneur Jésus-Christ. Pas considérer pour dire. C'est moi qui vais déjà prier, non? Considère qui nous me prend plaisir pour venir nous écrire et passer le moment pour louer le Seigneur qui me donne nous ce rôle. Nous disons ensemble, Seigneur Jésus-Christ, donne-toi toute la gloire, tout louange, tout l'honneur, car toi tout seul, qui digne d'être élevé, d'être glorifié pour toute l'éternité, au poids de ton sacrifice, l'eau la croix pour moi, au poids de fil pardonne-moi de tous mes péchés, je vis prendre en toi. Toutes nos malédictions, toutes nos condamnations, quand au final nous la croix en sacrifice dans vos places et tout mon équerre, Seigneur Jésus-Christ, pour répentir de tout péché, pour vite faire, pour répentir de tout péché, pour vite faire. Et vous demande toi, Seigneur, pardonne-moi. Deux versets, un verset dans Proverbe chapitre 4, nous lire, laisse-nous lire à partir verset 23. Proverbe chapitre 4, à partir verset 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Car de lui viennent les sources de la vie. Écarte de ta bouche la fausseté. Éloigne de tes lèvres les détours. Que tes yeux regardent en face. Et que tes paupières se dirigent devant toi. Considère, et ça bien, considère le chemin par où tu passes. Et que toutes tes voies soient bien réglées. Que toutes
quoi? Soit bien réglé. Nous pouvons arrêter là, bien aimé. Justement, ce matin, nous posons la question qui nous la voit, soit bien réglé. Et nous vous allons lire un verset dans Romains chapitre 12, un verset bien connu. Romains chapitre 12, verset 2. Romains chapitre 12, verset 2, diaporama. Ne vous conformez pas. Écoutez bien, il écrit, ne vous conformez pas au siècle présent. Pas dire conformez, il dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Gloire à Dieu. Bien-aimés, la semaine, je me colle avec un autre frère, je fais des autres concernant. Sur la terre, il peut rester là. Jésus prêt pour venir. Et Jésus bénissait l'église qui paraît, qui prêt. Qui c'est nain qui est capable d'oser dire qu'il est capable préparer pour le retour du Seigneur sans le Saint-Esprit dans son âme. C'est là qu'on va aller sur la main de moi, frère. Vous gardez pour moi, sans qu'il m'ait le Saint-Esprit. Vous gardez pour moi, pour être le Saint-Esprit. Vous gardez pour moi, pas bien Saint-Esprit. Vous parlez, vous pas bien. C'est là qu'on va aller sur la main. Et Aster, qui c'est là qui est capable de dire moi, je n'ai le Saint-Esprit dans moi. Je connais le présent dans moi. Je connais le réel et l'existé, le au-dedans de moi. Et si le Saint-Esprit n'est pas dans nous, nous ne pouvons pas garder pour nous pour le retour du Seigneur Jésus-Christ. Nous ne pouvons pas avoir des origines. C'est des affaires si. La Bible dit si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Dieu, il ne lui appartient pas. Romains chapitre 8, verset 9. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Dieu, c'est tout le monde. Il le Saint-Esprit dans lui, il n'y pas appartenir à là. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit. Si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Nous ne pouvons pas pouvoir, on veut dire, mange dans la volonté de Dieu. Nous ne pouvons pas trouve-nous être prêts pour le retour de Jésus si le Saint-Esprit n'est pas dans nous, s'il n'est pas fait un travail qui vient dans nous. D'ailleurs, c'est sa raison là qui bon Dieu dans sa sagesse, il vient inclure le Saint-Esprit dans la nouvelle alliance. En sorte que chaque petit monde qui croit en Jésus, écoute bien comme Jésus. Pas les sous-tromper. Pas le penser qui va dire, c'est certains dimoun, c'est pas certains pasteurs, certains dimoun, c'est pas appelé les prophètes, c'est ce qui est dans l'esprit bon Dieu. Non, non. Dans la nouvelle alliance, bon Dieu se promesse, c'est tout dimoun qui répandit, qui croit en Jésus, lui pour recevoir le Saint-Esprit pour habiter dans toute la vie. Parce que si il a le Saint-Esprit dans toute la vie, tu ne peux pas avancer dans la volonté de Dieu. Il y a des autres qui, un chrétien sans le Saint-Esprit, dit qu'on va dire, un Mercedes qui peut la monter. Peut la monter même, et là c'est la con. C'est-à-dire quand il était partout, quand tu vas derrière trouver Mercedes. Seulement, pas qu'à démarrer, pas qu'à rouler, pas qu'à faire non. Si Péna vous dit, si Péna le Saint-Esprit, vous voyez, un petit monde qui Péna le Saint-Esprit, mais il va la terre là, pour dire le vrai mot, c'est une perte de temps. Comment dire, il est dans une zone, il transport, pas de même côté. Sans le Saint-Esprit, nous ressemblons, comment dire, transport Péna vous dit. Mais, Jésus, il promet nous le Saint-Esprit pour habiter dans nous. Dieu dans sa parole, bien aimé, il demeure avec vous, mais il sera
en vous, Jésus-Christ fait la promesse du Saint-Esprit, et puis qu'arrivent les actes des apôtres, de trouver qui va disciple, va premier disciple, recevoir le Saint-Esprit. Après qu'il va finir de recevoir le Saint-Esprit, là, maintenant, c'est dans, toi, mais quel comprends qu'il vous puisse faire. Et là, Pierre et les autres, répondez-vous, et surtout, ce pour recevoir le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est pas pour dire, il a dit, vous dites, le Saint-Esprit, ça c'était pour autrefois. On peut dire des autres ce matin, bien aimé. Si pays n'a le Saint-Esprit dans nous, alors, dans le vrai dire, pas qu'à bord, appelle-moi être chrétien, si pays n'a le Saint-Esprit dans nous. Mais, qui prêle, Édan? Qui prêle pour pouvoir dire le Saint-Esprit il habite dans moi, il vit même dans moi, ou bien il n'est pas dans moi? Donc, Jésus prêt pour retourner, il arrive les temps que nous considérons sérieux. Est-ce qu'il, le Saint-Esprit, vraiment, il est en nous, ou soit-il pas là? S'il est là, qui prêt qui dit qu'il est là, ou bien qui prêt qui dit qu'il n'est pas là? Dans les temps des apôtres, c'est ce qu'on appelle les temps primitifs, dans les temps que Jésus tu fait qu'enlever, ben, disciple qui est mort, ça avec Jésus, ben là, tu gagnes succès au succès, et des affaires extraordinaires qui sont aujourd'hui ou pas tout le ben là, la Bible dit à la multitude qui dit quoi, oh, tous, tu comment dire, un seul âme. Ben là, tu comptes aux autres les uns les autres. Ben là, tu vis la vie chrétienne extraordinaire. Ce tellement tu peux vivre comme le Christ, qui m'a dit, tu m'as dit, tu les autres chrétiens. Tellement, ce tu vis comme Jésus. C'est parce qu'il ben là, vraiment, tu as le Saint-Esprit dans toi. Vraiment. C'est pas pour dire des pédiens ou ah, non, vrai, c'est là le Saint-Esprit. Tandis, à comparer avec Zodisou, bien aimé, comme un chrétien qui voudrait même qu'à dire, et dans le Saint-Esprit qui habite dans lui, oui ou bien non, et qui prêt, qui n'a pas certifié, qui voudrait même, et dans le Saint-Esprit dans toi, ou soit est-ce qu'il va dire, il y a le Saint-Esprit dans moi, ou bien, finalement, quand il prend la Bible, on va croire pays. Mais c'est pas pour connaître. Si pays n'a le Saint-Esprit dans moi, pour pas pouvoir pas être conduit par le Saint-Esprit, et finalement, pour pas pouvoir enlever, pour pas pouvoir rester dans le ciel. On va dire la preuve, bien aimé, que le Saint-Esprit habite en nous, c'est pas qui. Nous pouvons vivre l'église, nous pouvons vivre une réunion, nous pouvons prêcher la parole, nous pouvons chanter, ou bien ce qu'il nous peut faire. La preuve, vous ne pouvez pas dire preuve exacte qui vraiment l'Esprit de Dieu habite dans nous, c'est que l'Esprit de Dieu, quand il habite dans nous, il agit dans nous et il conduit nous pour vivre dans la volonté de Dieu. Vous voyez, ça c'est une preuve qui n'est pas capable de réfuter. Une preuve qui n'est pas capable de fausse. Parce que le Saint-Esprit, bon Dieu, on voit le Saint-Esprit, justement, pour capable, enseigne-nous ses paroles, rappelle-nous ses paroles, révèle-nous ses paroles, conduis-nous, guide-nous dans toute sa vérité. Bon Dieu, on voit le Saint-Esprit, bien-aimé, pour qui? Nous capons colle exactement la volonté de Dieu, ou quand même dire la volonté parfaite de Dieu, telle qu'il était dans la Bible, et quand le Saint-Esprit dans nous, c'est la force de Dieu qui est dans nous, pas juste il fait nous qu'on lit, mais il fait lui réaliser dans nous, il fait lui vivre. Il y a une petite minute d'occasion avec un ticket qui, de passage, il trouve moi avec moi là-dedans. La Bible, tu vois ça, moi. Il dit, moi, une bonne affaire, c'est elle. Il dit, moi, qu'est-ce qui stresse? Elle dit, donne. Elle dit, donne à mon ami. Et, la Bible, moi, les moi. Elle dit, donne à mon ami. Vous avez aussi mis la guitare là, avec ça, en même temps. Vous avez aussi mis la guitare là, en relation avec la Bible. Après, c'est mis la guitare, pourquoi c'est stress, moi?
Non, on veut servir la rigueur là pour glorifier mon Dieu. Bonsoir, mon Dieu. Et là, on raconte qui m'a la vie qui était avant mon compte Jésus. Et quand mon compte Jésus, qui différence maintenant? Qui m'a t'y aidé? Et après, qui m'a compte Jésus, qui n'arrive la vie? Et bon, fait bien mon compte, qui se met la religion, mon compte là, mon compte vrai, mon compte réel là. Mon compte sur parole, mon compte ma vie, mon et il est dans la vie, et qui c'est qui me fait dans la vie. Ce qui m'a dit, c'est bien aimé, c'est que si nous disons le Saint-Esprit dans nous, et nous trouvons la vie, nous allons respirer. Comment elle était? Tout bonne manière, tout caractère, toute habitude, toute façon de faire qui tout le monde peut vivre pareil. Nous tout ça, nous allons dire pareil, même dans la vie. Quand vous voulez, même tout le monde voulait, vous êtes allé, puis la Saint-Esprit. Puis là. Vous voyez, il est trop facile, comme je dis, pour que frère Bob vienne là et il dit à comme ah, ma frère, ma sœur, bon Dieu, content eux. Tout le monde est là, le Saint-Esprit. Nous t'amènons la même Jésus. Facile, hein? Trop facile pour dire. Tout le monde est là, le Saint-Esprit. Depuis le plus petit jusqu'au plus grand, tout est là, le Saint-Esprit. Même si on peut faire la volonté de Dieu, même si on ne peut pas faire la volonté de Dieu, tout est là, le Saint-Esprit. Facile, dire. C'est pas une fausse. Les fausses, c'est mon chose. À cela, si vous venez là, et mon Seigneur, c'est une bonne chose. Ce qui veut dire, là, vous ne pouvez pas travailler pour le Père, mon Dieu. Vous pouvez travailler pour les pères de mensonges, vous pouvez travailler pour le diable. Vous pouvez avoir des autres mensonges, vous pouvez dire des autres la vérité. Vous travaillez en Jésus, moi. Vous ne pouvez pas venir là, vous pouvez dire, vous pouvez dire, même tout le monde n'a aucun fruit dans toi, même tout pas tout l'amour dans toi, même tout pas tout l'ennui dans toi. C'est pas mon Dieu habite dans toi. Non. Si vous venez de toi. Mais vous pouvez mentir. Bien-aimé, la preuve réelle, quand le Saint-Esprit y habite dans nous, s'il est présent dans nous la vie, vous avez qu'il est pour faire. Écoute bien. Il y a des affaires que le Saint-Esprit peut faire. C'est pour régler nous la vie dans la volonté de Dieu. Tout le monde connaît la Bible, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu montre-nous la volonté de Dieu. Quand le Saint-Esprit y habite dans nous, il est pour régler nous la vie, il est pour faire nous la vie, vivre nous la Bible. Amen. Bien compris, Dieu. C'est qu'il est dans la Bible là, c'est pour être dans notre la vie. Vous ne pouvez pas exagérer, non, hein? Vous pouvez dire, bon Dieu, son projet dans la nouvelle alliance qui est capable d'accomplir, on veut dire, qui est supposé accomplir dans la vie. Tout le monde qui croit en Jésus-Christ, c'est ça le projet de Dieu. C'est que tout le monde nous la vie capable de régler dans sa volonté. Parce que bon Dieu intéresse à même le monde qui vient régler dans sa volonté pour aller rester dans le ciel. Si tu as envie de connaître ce reste dans le ciel, dès que tu checkes la vie, est-ce qu'il te doit bien régler dans la volonté de Dieu? Parce que si tu as réglé dans la volonté de Dieu, bon Dieu, moi, même pas respecté. Si tu n'as pas réglé dans sa volonté, même tu as mis tout réunion qui est là, jusqu'à ton dernier jour, la terre est une église. Mais si tu n'as pas réglé dans la volonté de Dieu, tu n'as pas dans le ciel. Parce que la Bible, pour quel point on va dire, tu n'as qu'à l'église, pas dans le ciel. Non. Dans Matthieu, il dit, c'est lui la seule qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Matthieu 7, 21. Il dit, pas tout le monde qui prie moi, Seigneur, qui me rend dans le royaume de mon Père. Zizban, c'est qui fait. Fait, il dit. Hein? Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Mais c'est lui la seule qui fait. Pas juste comme volonté. Ah non, fait, mettez en pratique la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Maintenant, bien-aimés, vous pouvez bien nous l'écrire pour comprendre les affaires. Une réalité de nous la vie. Une réalité de nous la vie, c'est que quand nous naissons à la terre, écoute bien, mais quand nous naissons à la terre là, nous pas naissons à la terre là, comme un petit monde
qui déjà connaît la Bible, qui déjà amorce la volonté de Dieu, qui déjà fait ce qui bon Dieu peut dire dans son parole. Nous pas nés comme ça, personne. Bien au contraire. Nous nés dans la terre, réglés pour vivre contraire à la volonté de Dieu. Tout le monde qui est dans la terre, les parents. Tout le monde né dans n'importe qui pays, qui t'y fille, qui garçon. Des années pour vivre selon la chair. Pour avoir dire déréglé. Quand on voit avec la parole de la volonté de Dieu. L'être humain, quand il est dans la terre, des années comme ça. Et puis, tout le monde là grandit. L'âge continue grandit. Et il continue fréquente, ben, 10 moun qui l'ont la terre en gros, vous connaissez qu'à arriver l'être humain, plus il grandit, fréquente 10 moun qui l'ont la terre. Les plus déréglés en gros, les plus pas bon en gros. Fait qu'arrive l'être humain. L'être humain, on veut dire, il vient plus charnel, il vient plus ce qui n'est pas bon, mais Dieu, dans son grand amour, il appelle nous en Jésus-Christ pour pardonner nous, pour débarrasser nous du péché. Et si nous engageons nous avec lui, sérieux, en Jésus-Christ, bon Dieu, ce qu'il fait, les affaires qu'il fait est extraordinaire. C'est qu'il, bon Dieu, il débarrasse nous de la chair. La chair, c'est, on va dire, un moteur, péché. C'est la nature humaine qui nous gâte, qui nous dérègle. Bon Dieu, débarrasse nous de ça. Il fait nous naître de nouveau. On va dire, il donne une nouvelle beauté. Et là, il dispose nous, le Saint-Esprit, pour habiter dans nous. Quand le Saint-Esprit habite dans nous, là, le Saint-Esprit commence à régler nous la vie selon la volonté de Dieu. Suivez. Le Saint-Esprit régler nous la vie selon la volonté de Dieu. Mais aucun petit monde qui n'est dans la terre, il n'est pas né dans la terre, déjà réglé selon la volonté de Dieu. Même il n'est pas né chrétienne. Il n'est pas né, déjà réglé. Non. Bon Dieu, en Jésus-Christ, il appelle nous pour régler. Pour régler nous d'âme selon son volonté parfaite. Ce matin, ça qui m'a dit Jésus bien. Bon Dieu n'appelle nous pour régler nous selon son volonté. Mais il y a deux choix. Soit nous laissons bon Dieu régler nous selon son volonté et nous pouvons être sauvés. Soit nous vivons comme nous pouvons vivre même. Et ça, c'est l'enfer. Et dans son Dieu, c'est ce que vous voulez dire. Venez dans votre monde. Voici la parole de Dieu. Je comprends. Nous donnons le don de la grâce, Père. Pas dire du monde, pas dans l'enfer. Jésus prend tous nos condamnations, nous parlons dans le ciel, mais au sacré, pour dire qu'il est mal comprend l'évangile. Jésus vraiment payé pour tous nos condamnations. Ce n'est pas son projet, ce n'est pas mais nous dans le ciel, comment nous était l'aimé. Son projet, c'est lui mettre sa puissance à nos dispositions pour changer nous, pour transformer nous, pour régler nous, pour faire nous devenir à son image, à sa ressemblance. Les là qui nous restent au dans le ciel. Les là qui nous amènent nous. Mais il m'a dit qu'il m'amène nous comment nous aider. Il appelle nous comment nous aider. Oui. Après les là, son projet, c'est lave-nous, nettoie-nous, purifie-nous, sanctifie-nous. Fais-nous une irrépréhensible, puis une irréprochable, une sainte. Pour avec nous rester dans le ciel. Après, pourquoi il y a une logique là-dedans, non? Parce qu'ici, mon Dieu, en Jésus-Christ, pour avec tout le monde, avec toute socialité pour lui dans le ciel. Mais mon Dieu est juste. Mon Dieu est juste. Dieu est juste. Quand ce qui sont paroles dit, il accomplit selon son parole. Mais il arrive à un moment donné, dans la terre, bien aimé, dans le monde du christianisme, quand Badjimoun enseigne qui, comment nous aider, bon Dieu, pas casse la terre, Jésus nous paye tout, nous paye. Quoi, mon père, Jésus? Pas vrai. Pourquoi? Parce que toutes les semaines, mon répétition ça, qui fait parce que c'est un fléau. C'est un fléau dans le monde entier, Badjimoun, qui enseigne sa fausseté là, au lieu de l'écoute fausseté, bien aimé, lui écoute la vérité. Qui programme bon Dieu
en relation avec pour les capables, réglez-nous dans sa volonté. Tout il y a un verset d'aller là, Romains chapitre 12, verset 2. Romains chapitre 12, verset 2. Paul dit, ne vous conformez pas, c'est-à-dire pas pour même forme au siècle présent pour les causes, par votre vie pareil, comment nous trouvons du monde peut vivre dans le temps qui nous peut vivre. Ça, il peut dire, vous pouvez dire, oui, il peut dire, pas vivre pareil. Nous trouvons du monde, si pas, personne la tête, si pas qu'il faut. Nous trouvons du monde, si pas, ils tous se sont passés dans les sous de ce son. Nous trouvons, par exemple, il y a du monde, si pas, mais si pas, il y a des lèvres, il y a des sons, mais si pas, tu es dans la mer abominable. Nous trouvons du monde, si pas, un petit gosse, il va trop dans un gosse, il a envie de vivre comme un petit fille, ou bien un petit fille a envie de faire comme un gosse. Ou bien, vous pouvez dire, je parole vive pareil, moi, tout le monde peut vivre. Ça, c'est la Bible, peut dire. Ne vous conformez pas au siècle présent. Pas qu'à bien dire, tout le monde vit, moi, tout le monde peut vivre, avec solo gay, avec tout ce qui est l'impureté, tout le monde pareil. Et là, maintenant, faites une mine commune, on pense que là, nous, la terre, bien aimé. Si tout le monde vit dans le péché, tu veux vivre dans la fornication, vivre dans l'adultère. Vivre, ça pour dire, assez normal. Longtemps, tu veux dire, tu as un peu de moralité, tu veux dire, dans les autres. Tu veux jeune, tu veux grandir, tu arrives à un certain âge, et tu veux mourir à son 10 jours. Non. Son 10 jours, pas besoin de tout ça là. L'île Maurice, l'île Léo. Et si tu vois que l'immorisme est l'héro, l'immorisme est l'insoli. Hein? Dans le sens moral, l'héro, il y a ce domaine comme nous. Dans le chien, il y a européen. C'est-à-dire qu'il peut être dégradé, il peut être plus impur. Vous avez bien compris, Dieu, là? Et vous ne pouvez pas payer pour Dieu, non, rien. Vous connaissez qui vous pouvez aussi. Pas pire pour une couleur mal européen. Parce qu'il va là. Le diable passe en zone avant, il fait zone apprécier l'impureté. À ce là pas le mot pour vivre comme un seul. Non. Au contraire. Pas plus pour les biens du tout. La Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés. Il dit, vous êtes transformés. Quetzalola, par le renouvellement de l'intelligence. Ça qui nous vous prêchez ce matin. Le renouvellement de l'intelligence, on pourrait dire, c'est. Il y a un mot en anglais qui appelle. Pas de cas, vous allez dans un mot, setting. Mais le renouvellement de l'intelligence, on pourrait dire, c'est comme si resetting, comment dire, peut viser régler. Nous faisons. Et le mode système 7. Notamment, du coup, il y a un mot qui appelle mindset. Nous me disons, on va dire, remettons en position qui bon Dieu vit. Il y a envie de nous fonctionner. Amen. Pas de sa façon qu'il est humain bien vivre. On va dire, par autre vivre, comment nous trouvons du monde peut vivre, ce qui nous trouve du monde peut faire, ce qui nous trouve du monde peut conquérir sur la joie. Par autre vivre, comme ça dit. Donc, on va faire ça. Pas faire ça et rien, là. Parce qu'il ne faut pas dans ce temps, mais c'est bien aussi. Parce que le monde, c'est qui lui peut vivre là, c'est le diable qui l'inspire lui pour vivre comme ça. Quand on trouve dans le week-end, le monde, c'est pas de peut boire, de peut fumer, de peut amuser, de peut dans la discothèque, de peut organiser, pareil, des fêtes, des mises pas qu'il est. Donc, si on pense, on va dire comme ça, mais nous aussi, on dit qu'à faire pareil, parce qu'il faut dire comme ça, mais il y a une discothèque chrétienne. Et surtout, discothèque chrétienne. C'est dans la Satan qui cause. Mon gars, dit aussi, c'est Satan lui-même qui l'inspire ça tout le monde. Pas une démon, rien. Satan même, c'est flemme. La Bible dit ne vous conformez pas, pas pour même forme, au siècle présent. Mais soyez transformés, bien-aimés. Le Saint-Esprit, il a, on va dire, pour transformer nous, comment il peut faire ça, on pourrait dire, bien-aimé, il peut régler nous selon la volonté de Dieu, on va dire, selon la parole de Dieu. Écoute bien, le Saint-Esprit pour régler nous selon le cœur de Dieu, on pourrait dire.
Le Saint-Esprit, est-ce que je connais qui le Saint-Esprit, il dit là pour révéler nous toutes les profondeurs de Dieu. Je connais ça. Et dans la Bible, dans 1 Corinthiens chapitre 2, le Saint-Esprit, il est là pour révéler nous toutes les choses. Même si ce qu'il y a dans le profondeur, les cœurs, mon Dieu. Je vous dis ça ensemble, bien-aimés. Bon Dieu, on veut régler nous. Mais en quoi, bon Dieu, on veut régler nous? Numéro 1, bon Dieu, on veut régler nous. Dieu nous a révélé par l'Esprit, dans l'Esprit sont tout, même les profondeurs de Dieu. Le Saint-Esprit, pas de naissance pour qui, quand nous présentons, nous sacrifions, nous l'armée, si pas nous bousser, si pas. Là, là, nous sommes tous les gros, bah, nous sommes remplis. Non, pas ça. Le Saint-Esprit nous a. Le Saint-Esprit nous donné pour révéler nous, pour son, les choses de Dieu, pour révéler ça dans nous les cœurs. Et pour régler nous la vie dans la volonté de Dieu. C'est les premières affaires qui bon Dieu a envie de faire dans nous la vie, concernant régler nous la vie, pour bien. Bon Dieu a envie de régler nous pour vivre, pour marcher dans la foi. Bien aimé, écoute bien ce que vous dites, parce qu'il y a beaucoup de victoire si un petit monde les a accomplir sur la vie. Mon passeport là, je connais qui s'est amené dans la vie. Donc il y a beaucoup de monde, le halaté là, intéressé avec le bonheur. Qui s'est là, qui bâti content sur la vie bénie, sur la vie prospérée. Comme on vit ici, le halaté là, pendant mon enfance, nous vivons la vie malheureuse. Nous vivons la vie désespoir, tellement dans la misère. Souvent, on raconte ça, bien aimé. Mon conscient de la situation. Je dis, c'est des pommes, ce rond, pour quitter la case, enfant, pas les manger. Longtemps, quand c'était des pommes, vous pour ça, pour mettre 10 gouttes, pour donner ça, qu'il y a une goutte. Quand frère, il y a 10 gouttes, vous avez pour ça, c'est pas combien de morceaux, pour ça, qu'il y a une goutte manger. Je dis, où les enfants, quand ils ont envie de manger, ils prennent des 10 gouttes, ils mangent à l'aise, parce qu'il a c'était pas plateau. Hein? Mon sein. Donc, mais bien sûr, c'est les temps. Mon vie, dans les temps dans la vie, dans les temps que tu es dans la misère. Ça veut dire mon petit, mon grand petit. Il me connaît. À partir qui me connaît Jésus, là, moi, la prendre qui, en sa bonté là, mon gagne une victoire, même si mon mange pas la foi. Je dis, commencement de la vie chrétienne, si vous ne connaissez pas. Parce que moi, je suis une personne, on sait moi. Commencement de la vie chrétienne, vous appliquez pour les guerres, vous vivez la vie de sainteté, et la vie d'amour, parce que vous perdez, parce que vous allez retourner, vous ne pas réciter le ciel. Alors, vous ne pouvez pas appliquer du tout pour rechercher la bénédiction, parce que vous ne pouvez pas connaître d'ailleurs qui ça, font partie dans vos dieux sur la grâce. Vous ne pouvez pas connaître. Et puis, j'ai envie de lire la Bible pour arriver à comprendre l'Esprit de Dieu, faire moi comprendre si je vis par la foi, je suis capable de bénir, je suis capable de prospérer. Amen. Alors, on commence à prendre ce qu'appelle vivre par la foi. Tant bien comme Jésus l'a dit. Tout le monde est content pour gagner le bonheur. C'est mal le bonheur, pas gagner par sens. Le bonheur, pas gagner l'eau, si pas, ou qu'est-ce que je voulais me faire, ou je vais vous faire pareil, ça va venir. Non. Le bonheur, pareil pour moi. Si tu as envie de gagner le bonheur, tu as envie de tout le temps réussir dans la vie, en vrai dire, si tu as envie de tout le temps triompher, tu as besoin qu'on ait appelé vie par la foi. Amen. Amen. Vie par la foi, elle merveille sa vie. Amen. Quand vous mettez les autres, elle merveille. Elle merveille, j'ai l'espoir des autres qui, si tu n'as pas vivre par la foi, si on veut dire, on veut dire, bon Dieu, il n'est pas d'accord, il n'est pas content. Il est au vivre par la foi. Bon Dieu, appelle-nous pour marcher par la foi, pour gagner la victoire dans la foi, bien. Ça, c'est bon Dieu, sur toi. Le Saint-Esprit, il est là pour révéler nous en Jésus-Christ qui nous faisait faire. Comment faire pour vivre par la foi, pour qui nous trouvons gain victoire. Vous voyez, quand Jésus mourut la croix, quand Jésus mourut la croix, il prend la malédiction qui tient nous.
Et la malédiction, il te plaît, nous, nous-mêmes. À cause, nous-mêmes, nous faisons péché, nous parlons, faisons péché, nous oyons parole, faisons péché. À ce si nous tout ça, puis derrière, au pot, nous parlons, oyons parole, quand tu sortis, dans nos bonnes ancêtres, si pas dans l'Afrique, si pas dans l'Inde, dans Madagascar, je m'arrêtais. Bah, n'est plus vivre dans le péché, au cause, parce que je vis dans l'idolâtrie, je vis dans la sorcellerie. Mais là, c'est qui est arrivé. La malédiction, il déborde, nous. Mais le Saint-Esprit, lui montre nous comment débarrasse-nous de la malédiction. Ça, c'est numéro un, ça. Vive par la foi, si t'as envie béni, t'as envie tout le temps béni, t'as envie tout le bonheur et la grâce, accompagne-toi, t'as besoin qu'on débarrasse-toi de la malédiction. Amen. Le moment qu'on débarrasse-toi de la malédiction, te devenir un enfant de bénédiction, mais là, la bénédiction, le bonheur et la grâce, lui suivent-toi. Lui suivent-toi, te bénis. Mais on a des affaires. Et la dimanche, quand tu oublies drôle. Et la dimanche, quand tu oublies drôle, tu vas dire, tiens, mais, c'est pas, ça ferait là contre quelqu'un. Ça ferait là. Hier, elle pouvait me donner un témoignage. Il dit, bon, bon, Dieu m'est béni. Vous parlez, si non, il dit, bon, Dieu m'est béni. Vous parlez, raconte ça, bien aimé. Bon, Dieu m'est béni. En sorte que, il dit, si, comment dire, la police vient nous dire, quand on a la drogue, ça, mais nous, lorsqu'on travaille, ça. Pas lorsqu'on a la drogue, ça. Lorsqu'on travaille. Lorsqu'on travaille. Parce que quand bon Dieu béni, c'est bon Dieu béni. Amen. Quand bon Dieu béni, il est au-delà de ce qui est normal, tout le monde gagne. C'est Amen. Bon Dieu béni. Amen. Dans la Bible, il y a un petit monde qui bon Dieu mentionné, un petit monde qui bon Dieu t'y béni. Bon Dieu t'y béni, Isaac. Isaac t'y riche, après il est fort riche. En sorte qu'il m'a dit, vous l'avez vieilli. Après Isaac vit Jacob, Jacob si bon t'y béni. Après tu, tous ceux qui mangent sans Jésus, Abraham si t'y béni, tous ceux qui mangent sans bon Dieu, essayez. Bon Dieu béni nous pour vivre par la foi, pour qui l'île béni nous, bien aimé. Bon Dieu qui béni nous dans le gros dans lui. Mais l'Esprit de Dieu, il montre nous comment mangeons sans bon Dieu. Mais là, bon Dieu qui béni nous, bien aimé. D'ailleurs, la Bible dit, il bénit le travail de nous, l'ami. Et quand bon Dieu bénit nous, bien-aimés, c'est merveilleux. Amen. C'est vraiment merveilleux, bien-aimés. Dans les psaumes, le psaume 125, un de mes psaumes préférés, qui m'ont dit, moi, ça, tout le long de la vie, le psaume 125, c'est comme ça, ceux qui se confient en l'éternel sont comme la montagne de Sion. Elle ne chancelle le point. Elle est affermie pour toujours. Il disait des montagnes entourent Jérusalem. Ainsi l'Éternel entoure son peuple dès maintenant et à jamais. Car le sceptre de la méchanceté ne restera pas sur le lot des justes, afin que le juste ne tombe pas le même vers l'iniquité. L'Éternel répand des bienfaits sur les bons et sur ceux dont le cœur est droit. Amen. Ce qui m'a dit, c'est bien-aimé, c'est qui? Quand on va confier nous dans mon Dieu. Connais qui bon Dieu existait. Cause en lui. Priez-lui. Crois dans lui. Confiez-nous dans lui. Mais là, c'est Dieu qui ouvre nous s'y met. C'est lui qui a planifié nous sentier. C'est lui qui va nous réussir. C'est pas nous la force naturelle. C'est pas nous connaissance normale. Mais c'est bon Dieu sur la main de grâce qui est avec nous. Amen. Écoute ça. Il y a une différence entre bon Dieu avec nous, bon Dieu pas avec nous. Vous comprenez comment il dit ça? Quand bon Dieu avec nous, nous vous trouvons continuellement, nous la vie continue bénie à nous-mêmes. Si bon Dieu n'est pas là, nous vous trouvons nous couler. Attends, vous devez couler. Tant que je vois bon Dieu là, c'est pas la vie, mais pas couler. Non, il n'est pas là. C'est parce qu'il, par contre, qui doit faire, à cause de lui, il n'est plus là. Si tu retournes dans la foi, tu retournes vers lui, il réfère ton bon Dieu. Amen. Bon Dieu appelle nous pour couler sa bien-aimé. Bon Dieu appelle nous pour nous aller de gloire en gloire, de victoire en victoire. Amen. Nous puissions capables régler nous la vie dans la foi. Amen. On est là, tu nous capables dans toute situation, nous dire bon Dieu avec nous, Amen. Sur la grâce avec nous. Il nous fait nous triompher, il nous donne nous victoire. Ça la vie là que bon Dieu appelle nous pour vivre. Connais en moi avec mon Dieu, paix la distance. En moi avec mon Dieu, paix la manière. Mon père me disait affaire. Mon frère, oui, mon Dieu pour moi. Mais tu vas pas rappeler Dieu. Non, faites pas rappeler Dieu.
Comment ça va nous enfants, Jerry? Hé, tu m'as écouté, tu m'as dit papa, moi. Et ton papa, tu m'as dit toi. Non, tu m'as dit toi. Tu m'as dit toi, toi, ce que tu m'as dit de toi. Moi, ce que tu m'as dit à moi de moi. Hé, tu m'as dit toi. Et ton papa, Rata. Ton papa. Bon Dieu, il m'a papa, il ton papa, pareil. Mon timali, ton timali, pareil ça. Au contraire, quand tu aimes ton timali, elle a dit trouver qu'il voulait ton quoi dans lui. Il ne peut pas lui plier bien encore. Quoi dans Dieu là? Quoi dans mon Dieu là? La Bible dit dans Hébreu, il dit il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Donc il sait croire que mon Dieu là existait et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent, c'est-à-dire. N'importe qui c'est là, qui me cherche lui, qui me rend secours avec bon Dieu pour agir dans la vie, Amen. Bon Dieu pour faire ce que bon Dieu appelle nous oublier pour la foi, bien aimé. Et d'après, bon Dieu, par contre, on dit tout. Mets ça bien dans le guerre. Si tu as dit, viens la vie plaignée. Tu as dit, viens la vie, aïe, la scène cassée, la pardonnez-moi pour faire, la paix dans ça, pardonnez-moi pour faire, la retrouvée dans ça, qui veut vous faire? Si tu as dit, plaigné, bon Dieu, pas content, plaigné du tout, bon Dieu, pas content, bien miré du tout, bon Dieu, content, quand on est dans une situation, te tourne toi vers lui. Amen. Que le Seigneur est dans telle situation, bon, mais demande-toi, agir dans mon ami, Seigneur, fais-moi la telle affaire, mon Dieu, et bon Dieu, pour faire libre. La Bible dit, demande à Dieu, demandez et vous recevrez, le Seigneur dit. Vous pouvez dire, demandez et vous recevrez. Mais pas rester comme ça, genre. Pas qu'on est vous faire, frère. Guérir sans problème là. Guérir sans problème là. Et pas bien. Et pas les grands de mon Dieu. Pas les grands de mon Dieu. Le bon Dieu, il est tout puissant. Amen. Il est tout puissant. Tout le monde vers lui. Dieu Seigneur, tout mon bon Dieu. Te compte en moi. Te là pour faire tout pour moi, Seigneur. Moi, t'as le droit. Faire ça pour moi, Seigneur. Accomplir ça pour moi. Et moi, mon petit Dieu, bien-aimé. Laisse le Saint-Esprit régler nous. Amen. Nous la vie bizarre réglée dans la foi, dans mon Dieu, sur parole, dans mon Dieu, sur promesse. Et nous vous trouvez qui différence ça pour faire dans nous la vie. Deuxième affaire, mon Dieu, bien-aimé. L'Esprit de Dieu est là pour régler nous dans l'amour pour bon Dieu même et dans l'amour pour les uns et les autres. Écoute ça bien. Premier commandement de la loi, c'est de nous incontent le bon Dieu de toutes nos guerres, de tous nos pensées, de tout là. Nous incontent bon Dieu là, bien aimé, d'une manière qui nous satisfait sur les guerres. Pour bon Dieu être satisfait, nous bisons. Il aime la vie d'amour en nous avec mon Dieu. Amen. Amen. Mais je connais le roi de la terre qui nous reste là. L'être humain n'est pas même comme mon Dieu. L'être humain n'est pas même réalisé qu'il aime mon Dieu. Étant levé grand matin, il n'est pas même prendre en compte, il n'est pas même réalisé qui mon Dieu là existait. Mais moi, je me dis à bien aimé, qui mon Dieu là, il appelle nous pour qu'il nous capable. Content-lis. Parce que je connais qu'il existait, mais nous sommes capables de content-lis. Manifester l'amour. Amen. Parce que je connais qu'il existait, non. Mais il appelle nous pour content-lis. Et ça, pour ça réaliser, encore une fois, sans le Saint-Esprit, il n'est pas réalisé. L'être humain, pour lui content, mon Dieu, sans le Saint-Esprit, il n'est pas possible. Ça. Parce qu'il saisit ça, le Saint-Esprit, qui est capable, révèle dans nous le cœur, sa bonté là, c'est qui est dit. C'est comme si le Saint-Esprit, c'est lui-même qui est capable d'attirer nous vers mon Dieu en lui. C'est bien nous réalise ce qui bon Dieu là était, son bonté, son amour, son grandeur, ce qui était pour nous bien aimés. L'Esprit de Dieu dit, il fait nous réaliser ça. Amen. Et il permet tout le monde à développer l'amour pour nous bon Dieu. Amen. Et quand tu vous développes l'amour pour mon Dieu, elle t'a fait merveilleux. Quand vous dites, vous bienvenue là. Vraiment bienvenue là. Parce que quand tu es content, mon Dieu, tu es proche avec mon Dieu, tu loues mon Dieu, tu adores mon Dieu, tu donnes-lui la gloire. Normalement, mon Dieu, quand tu vous fais ça, vous allez arriver, mon Dieu, il te verse sur mes Amen.
Et là, tout le monde va penser, c'est qu'elle a l'ex-santé. Quel résultat? Tu es toujours santé. Mais quel résultat? Toi, tu n'es pas santé, toi. Quel résultat? Mais fais la différence, toi. Ne t'appelle pas contre, comment dire? Fais la différence, toi. On dit ça, du monde qui va dans mon Dieu là. Qui la vie, qui est là? Qui bénédiction, il suit ou bien il pas suit? Et que ça, l'autre, du monde qui dit, il pas santé, il pas loué, il pas casse la tête. Mais qui est-ce qui est différent, sinon? On dit, appelle-nous, vous comptez en ligne. Amen. Et l'être humain, pendant qu'il nous vit, nous sommes à la terre là. À cause de ça, que le diable, c'est qu'il fait, il met des idoles dans le parcours de l'être humain. Et là, il y a une idole qui est visible, longtemps, qui servit. À ce temps, dans l'église de Jésus-Christ, normalement, il y a une idole, si pas il va installer, si pas il va statuer, si pas il va. Mais c'est même un tas des autres idoles. Un tas des autres affaires qui, ben, chrétien, content, passe les temps et pas passe les temps avec mon Dieu. Écoute bien, c'est beaucoup de choses. Si tu es la même un seul idole dans toute la vie, bon Dieu va présenter. Parce que la Bible dit nous, qui nous bon Dieu, qui nous servit, c'est un bon Dieu jaloux. Son nom est appelé jaloux, on veut dire. C'est un niveau jaloux qui bon Dieu jaloux. L'être humain pas jaloux, ça bon Dieu. Bon Dieu sera jaloux. Il n'est pas d'accord. Il n'est pas d'accord. Qu'il est dans notre affaire. Dans nous la vie. Qui nous plie content. Qui libère. Mais ça, pour ça réaliser dans nous la vie, bien aimé, puis c'est l'esprit de Dieu. Mais là, n'importe quoi qui est capable de rentrer dans nous le cœur comme un idole, le Saint-Esprit lui a décrit. Il a détruit un idole. Donc on a un verset dans la Bible dit qui dans Jean, un Jean, dit, le Fils de Dieu a paru pour détruire. Il fallait détruire le diable. Il dit pour détruire les œuvres du diable. Avec toute forme d'idolâtrie, c'est des œuvres du diable. C'est les œuvres du diable. C'est les œuvres que le diable mettra. Les dans sa idole là, dans toute la vie. Le diable connaît, bon Dieu, il va pour ressortir toi. Toi, pour avoir un ami d'amour en toi avec bon Dieu, il met un idole dans toi. Il met un idole dans toi. Il est à Thomas, il fait que ça idole là, et tu ne vas pas prendre bon Dieu, tu ne vas pas constater bon Dieu. Dès qu'on va dire, écoute les temps, quand tu viens de l'église dimanche, mais là, tu loues le Seigneur, tu guides, tu sors d'un ticket. Et là, tu penses qu'on va dire, ah, je dis, moi, bien, oui, mon Dieu. Ah, je dis moi bien adoré. Les autres sous. C'est parce que c'est dans qui est là. C'est lui qui pêche et du diable. Quand le diable pêche dès le commencement, le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. Amen. Tous les deux qui nous sont à la terre là, c'est ma œuvre du diable. Jésus est venu bien-aimé pour capable détruire les œuvres du diable. Et la place dans l'épître de Jacques. Jacques chapitre 4. Jacques 4. Vous pouvez faire ces 4 mots. Il dit, adultère que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? C'est lui donc qui veut être ami du monde, se rend ennemi de Dieu. Si un petit monde montant le monde, les sauts de ce monde, mais là c'est qu'arrivé, il ressemblait comme à dire, il veut vivre en adultère avec mon Dieu. Et quand on vit en adultère, normalement, mon Dieu, un seul démon, si il a c'est lui qui doit libérer. Car vous en faites. Bon Dieu paraît ça avec un ticket qui a du dernier. Un ticket qui compte dans le monde, les choses de ce monde, qui attache lié avec les choses de ce monde, recherche les choses de ce monde, galoupe derrière les choses de ce monde. Il y a un des jours le travail. Le travail coudant. Il y a un petit travail là-bas. C'est un lieu touristique.
c'est un lieu qui ressemble à quoi dire l'Europe. C'est un lieu que le bateau Michel, mais il y a un pays mais il y a un habit plié indécent qui est européen. Ce qui pourrait dire ça, bien aimé, le monde est sûr de ce monde. Pénal, pénal, ne pas supposer qu'on va dire tasse à ça, ne pas supposer qu'on va dire costé en ligne, qu'on va dire road coup, qu'on va dire censé, ou dans le rendre dans le programme là, on ne pas faire ça. Parce que sinon, tu peux venir à l'adultère, tu vas dire bon Dieu, pour appeler toi adultère. Dans le pit de Chancy, il dit pour moi, si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père ne point sur lui. Et Daniel n'est pas content, mon Dieu. Et le Saint-Esprit, il est là pour qu'on faire nous développer sa question content, mon Dieu. Vous voyez, avec mon Dieu, vous dites, vous êtes content, mon Dieu. Ce n'est pas une affaire de nous rencontrer, nous aussi, bien. Hein? Ce n'est pas une affaire de nous rencontrer, même pas dans la famille, c'est pas quelqu'un dans l'église. Hein? Parce qu'il n'est pas souhaité, ça. Il va dire, il peut exister, mon Dieu. Ce n'est pas pour faire ça de connaître. Ça dit que qui va réussir développe l'amour pour mon Dieu, non, mon Dieu. Il n'y a pas de raison de chier, ça. Non. Mon Dieu appelle nous pour que ça, ça commande nous à réaliser dans nous la vie, ça. Qui nous réussit content, mon Dieu, la vie. Mais le Saint-Esprit, il est là, bien aimé, pour les gars régler nous. Faire nous content, mon Dieu. Faire nous adorer, mon Dieu. Faire nous louer, mon Dieu. Faire qu'il donne nous le cœur et un vrai amour pour mon Dieu. En sorte qui. Nous disposons de la vie pour glorifier mon Dieu et nous disposons de la vie pour qui nous ne pas faire d'orgueil qui contraire à la volonté mon Dieu parce qu'il nous conduit. L'Esprit de Dieu, là pour accomplir la vie et l'Esprit de Dieu là pour régler nous aussi pour qu'il nous capable de compter nous les uns les autres. C'est là, ça n'a fait compter nous les uns les autres là. Si un dimoun, il parle de ce Saint-Esprit, fait rien sur la vie. Ah, mais pareil, toi, pour l'enfer. Tu dois pas compter toi les uns et les autres. Si tu vas dire, tu vas dire, tu vas penser, tu es trop extra, tu vas dire, tu trop aussi pas qu'aider. Non, non. Bon, tu appelles nous, bien aimés, pour nous faire compter nous les uns et les autres. Pas si content, mon père. Il dit, aimez-vous les uns et les autres, comme je vous ai aimé. C'est-à-dire, comptons-nous les uns les autres jusqu'à ce qu'on dire, nous capables d'offrir nous en sacrifice pour les uns les autres. Il dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Pour Dieu appelle nous pour qu'il soit réalisé dans nous. Mais tout ça là avec nos petits autres là, là. Tout ça là, pour la force humaine, il n'y a pas qu'à réaliser. Quand tu veux faire force en toi, il y a toi qu'on donne. Quoi que tu as. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Mais Jésus-Christ dit nous, j'ai content pour l'ennemi tout. Priez pour ceux qui nous maltraitent, qui nous persécutent. Bénis maniquette qui maudit nous. Bon, Dieu appelle nous à sa vie. Mais avec la force humaine, pas qu'à faire. Hein? Oh, la nature humaine, pas qu'à faire. Hein? Comment dis-vous le mettre à faire pour nous? Comment dire? Nous finir de développer, comment dire? Une quantité, une montagne à être dans nos cœurs pour tout. Au niveau naturel, il est comme ça. Mais quand le Saint-Esprit est dans nous, il sert. Du coup, l'aide fait, ah, Seigneur, vous pardonnez de tout le monde. Vous pardonnez et vous bénissez tout. Vous déclenchez sur la vie bénie, qu'il est béni, qu'il est prospéré à tous égards. Amen. Bon temps, crasez le ciel. Vous crasez mon temps là à l'instant même. Et moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et vous persécutent. Ça a été l'amour là qui vous dit, mais nous, vous vivez bien. Mais quand le Saint-Esprit dans nous, ça s'appelle la vie, pour réel dans nous la vie. Amen. Mais quand nous ne trouvons pas réel, nous, le Saint-Esprit n'est pas là. Parce que s'il est là, il est pour accomplir rien dans nous la vie. Le Saint-Esprit est pourtant dans la vie. Amen. Vraiment pourtant dans la vie. Pour qu'à faire pour Dieu sa volonté, accomplir dans nous la vie. L'autre affaire que mon Dieu appelle nous, bien-aimés, mon Dieu appelle nous pour régler nous dans la sainteté. Parce qu'il aura la terre là. Nous avons dans l'ordre pensée, comme on dit, vous le pouvez vivre là, correct là. Mais non.
quand l'Esprit de Dieu dans nous, il y a des bruits morts, il y a ta façon, il y a ta manière qui dit bon, mais il n'est pas bon. Impur, malpropre ça. Quand l'Esprit de Dieu dans nous, bien aimé, il y a là qui va arriver à lui ça. Quand partir dans le Saint-Esprit, nous trouvons tout bon, nous trouvons tout correct. Mais à ce temps-là, quand il y a le Saint-Esprit dans nous, ça veut dire qu'il dit, vous ne trouvez pas là, nous trouvons ça pas bon, quand le Saint-Esprit dans nous. Mais là, il va nous constater qu'il appelle pur, qu'il appelle impur. Le Saint-Esprit, il règle nous dans la sainteté. Il fait nous une sainte. Il détruit, il débarrasse nous de tout ce qu'appelle péché. Vous dites bien, de tout ce qu'appelle péché. Bon Dieu, bien-aimé, là pour régler nous selon son justice. L'Esprit de Dieu est là pour faire à nous la vie. Mais ça, petit monde, le Saint-Esprit guide nous. Pour le Saint-Esprit, fait nous vivre saint. Normalement, le Saint-Esprit, lui, pour conduire nous de temps en temps pour faire des affaires importantes. Écoute ça bien. Si tu as envie de la vie, vite propre, vite saint. À chaque fois que le Saint-Esprit lui révèle dans ton cœur, lui rappelle-toi, lui fait-toi connaître tes affaires de la vie, pas bon. Tu as besoin de faire ça, tu as besoin de vivre pour moi, tu as besoin de faire ça. Tout simplement, c'est que tu as besoin de faire toi, passe à tes affaires. Répentis, des seigneurs, bon, puis arrête de faire ça, bon, pas supposé de faire ça, bon, tu m'en donnes pas, non, bon, arrêtez, oh, ça, Seigneur, bon, renonce, ça, 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 fait là, bon, renonce, oh, ça, bon, résette ça, de tout mon équerre, et finalement, de me trouver, arriver le moment donné, à ce moment-là, vous êtes bien, toi. Bon, connais qui m'a fait causer, bien. Bon, connais bien qui m'a fait causer. L'Esprit de Dieu est là pour conduire nous dans toute la vérité, pour faire nous la vie, vite sainte. Si il y a des potes qui tassent des impuretés dans nos âmes, le Saint-Esprit dit pour dire nous ça à tous les airs. À tous les airs, il dit nous ça. À chaque fois, il nous rappelle nous ça. À tous les airs, il dit nous ça. Arrête de faire ça. Arrête d'être ça. Arrête de faire pour ça. Arrête ça. Arrête ceci. Il vous dit nous-mêmes ça, bien aimé. Et là, il nous a dit nous faire. Répondit. Renonce à tout ce qui est mal. Renonce à tout ce qui est impur. Afin que nous la vie soit entièrement purifiée pour la gloire du Seigneur. Bien-aimé, pas recherche la joie qui est dans la vie. Recherche la joie qui est avec vous. Amen. Parce que la joie de la terre là, est liée avec le péché. Tandis que mon Dieu, la joie qui est de nous, est pure. Amen. Paix d'un péché là-dedans. Et ça fait bien important que vous vous êtes encore que le Saint-Esprit fait dans la vie. Le Saint-Esprit là pour régler nous, écoute ça bien, pour régler nous, pour voir ça dans la sagesse de Dieu. Arrêtez de vivre sentimental. Comme à tout le monde normalement vivre. Mais qu'accepter tous affaires, pas qu'à se la tête dans tous affaires, laisse tous affaires fonctionner, tolère tout qui te sauve, tolère tous affaires. Le Saint-Esprit, quand il donne nous, lui montre nous comment vivre avec sagesse. Lui pour restaurer nous avec la sagesse de Dieu. D'ailleurs, le Saint-Esprit, c'est l'esprit d'amour, de force et de sagesse. Donc, l'être humain ou la terre, de plus en plus, peut continuer dérégler. Mais là, nous vivons. Nous vous continuons, nous allons dire, reste, mélange-nous avec ce qui peut dérégler. Nous pouvons tirer ce qu'on va dire, faire un camarade avec ce qui m'est déréglé. Comment dire, continuer vivant ensemble avec ce qui m'est déréglé. Ça, c'est sentimental. Vous pouvez voir l'amour. Vous dites, ça qui gagne là, comme ça, même les coups, ça, c'est moi qui vais vous faire, c'est moi qui vais vous entendre. Alors, vous pouvez continuer en lui, alors vous pouvez continuer de s'en lui. Pas ça, c'est celle-là. Pas l'amour. Vous dites, vous êtes vraiment en créole. Ça, c'est curieux. Ça sauve vous. Ça vous dit, vous m'avez dit, vous m'avez dit. Vous voyez, si tu trouves un picole, pique-toi le pied. Qui te fait? Tu n'as pas qu'à ça, tu es en picole là. Laisse-le lui voir dans le pied. Laisse-le lui faire son lit pour sortir. Pas qu'à ça, tu es dans le pied. Bon, il peut encore avoir un petit mal en lit. Laisse-le seulement. Pas qu'à ça, tu es en picole là. Bon, tu vas. Bon, tu sais, on est en picole là, on est en picole là.
Tiens ça, même coupe, il pique, il est découvert, tiens, il est dans mon pied, parce qu'il me fait avoir du mal. Je ne sais pas comment ça va bien. Mon Dieu nous donne la vie, et mon Dieu pas la paix. Mon Dieu a besoin de vivre en paix. Si elle nous a fait bénir en joie, tiens, il est aussi. Parce qu'il me dérange. Il me dérange moi avance dans mon programme, parce qu'il me dérange moi. Bon, pourquoi ça, c'est sagesse, bien. Mais on va quand dire en moi. Bien aimé, il y a beaucoup de monde qui vivent sentimental dans les temps de la Bible et qui trouvent ça perdu la voûte. Je vais vous donner un exemple. Tout le monde connaît l'histoire. C'est vrai, je vais l'acheter les temps. L'histoire Saül, David, dans les pauvres. Saül, il est roi. Il dit un garçon qui s'appelle Jonathan. Jonathan, il bien camarade, bon, David. Et arrivé à un moment donné, Saül, Zanou David, fait des morts, tue David, censé pousse David, comment dire, David charge, il tue Goliath, tout. Censé gros Zanou David, comment dire, David il de haut, il allait, et lui qui l'a réuni, n'est plus là pour Dieu. Parce que écoute bien. Jonathan, son gorge. Saül, son papa. Il a deux choix. Soit il reste avec son papa, qui n'est plus là pour Dieu. Soit il quitte son papa qui met la bouche, là il y a avec Saül qui est la bouche, soit il reste avec son papa qui met la bouche, Saül. Soit il quitte Saül, il y a avec David parce que David, bon Dieu, on dit. Normalement, la sagesse dit, quitte Saül, allez avec David parce que Saül met la bouche, et que David est la bouche. Mais sentimentalement, son papa, il reste dans son papa. Le temps de la guerre, tout beau. Ici, il est tu vas pas si bon. David vit le bon travail. Mais c'est déjà avec David, tu peux vivre. Bien aimé, nous ne pas qu'à vie sentimentale. Si elles avaient indiqué, ils ont erré. Ils ont dit la volonté de Dieu. Ils ont lié avec ton familial, si pas ton papa, ton maman, ton frère, ton oncle, ton qu'est-ce qui est. Mais elle a carrément. Sentimentalement, à cause du lien, donc, allez, dis ça, à mon résort. Moi, non. Moi, pas du monde. Ça dit mon là. Bon, pas ça dit mon nom. Vous pas qu'on n'a rien dit son. Vous connaissez les affaires. Vous avez une sagesse, vous avez une victoire. Amen. Si tu marches dans la direction de sagesse pour gagner une victoire, nous marchons ensemble. Tu parles pas dans la sagesse pour gagner une victoire, nous pas marchons ensemble. Parce que qui fait? Quand tu vis en sagesse, tu gagnes une victoire. Qu'est-ce que Joseph? Joseph. Il se trouvait une situation embarrassante quand il travaille avec Potiphar. Madame Potiphar, Potiphar parti là, et Madame Potiphar te propose pour vivre dans une terre. Joseph, la sagesse de Dieu, j'ai dit, elle ne savait pas faire. Faut ne pas faire. Faut aller dans la prison, pas faire non plus. Aller dans la prison plutôt, seulement, pas pour vivre en dehors de la volonté de Dieu. Les vivre sagement bien. Finalement, on est arrivé, l'équipe vient de bosse. L'équipe vient de monter. L'équipe vient de gagner la victoire, bien aimé. Ce qui m'a fait dire, c'est qui? Quand nous vivons avec sagesse, nous pouvons gagner la victoire. Samson, à vous blâmer, tu fais aux quand l'Esprit de Dieu, il déracine un l'apôtre. Pas l'apôtre la case, pas l'apôtre zone, hein? L'apôtre la ville. Vous voyez, il était l'apôtre de la ville. La porte de la ville, là. Mais toujours. Il est bien, il y a tout ça, c'est pas comme ça. Tiens la porte de la ville, là. Mais il a fait ça. Il est tout yon, mais tu y es ça, toi, là. Seulement, ça même qui qu'elle l'aime, d'une vie sentimentale. Et si madame Dalila, une région bébé, une groupe société, il venait gagner tout son problème. Il dit, carrément, ça cesse. Il va vivre sans cesse, il vit sentimental, et finalement, il perd sur la vie. Il vit beau ensemble avec les autres qui vivent beau d'ici. Tout ça, là, mon petit Jésus, bien-aimé, existe. Apprendre à faire la différence entre sagesse et sentiment. Et un dimon qui n'est pas familier avec moi, qui n'est pas familier avec moi, il dit à moi, nous allons dehors la volonté de Dieu, sur lui, pour voir toi. Envoyez tout le monde qui a envie de gagner une victoire. C'est avec la sagesse qu'il gagne une victoire.
quand on y est dans la vie, sentimentalement, au lieu de vivre avec sagesse, de vous trouver, de vous tasser en place, de vous avoir un divorce. Mais vivre avec sagesse, tout le monde. Et dans l'autre exemple de la Bible, cette histoire, peut-être qu'on ne va pas trop rappeler. Elle est arrivée à Dieu, qui s'appelle Élie. Dans les temps qui Samuel, à ce Samuel, il dit, il fait quoi, il sort, ce prophète Samuel. Élie, ce bon garçon, qui mauvais. Ce bon garçon, il y a des choses qu'il n'a pas besoin de faire, ça, à l'époque-là. Donc, parti que j'ai fait avec son dégorçon, peut faire. Et Élie, vous connaissez qui fait? Élie, le sacrificateur, il tolère ce bon garçon, il fait un affaire qui n'est pas bon. Et mon Dieu, il envoie son prophète, il cause en lui, il dit, après, je vais te faire ça. Le tout bonbon, il te va le garçon, vous pouvez même vous. Vous voyez? C'est qui est arrivé. Qui fait? Parce qu'il, Élie, il dit qu'à part, on peut se battre la fesse. Mais une vie sentimentale. Il n'est pas vu avec sagesse, une vie sentimentale. Parce que écoute bien comme Dieu. Ma parole. Elle a beaucoup de parents qui vivent sentimentale. Sans vouloir que tu tires au cadre ici. Les qui pas battre, il tire, il tire. Qu'est-ce que vous avez pour comprendre? Allier la Bible. On est plus aidé jusqu'à l'Apocalypse. Si tu as réussi tout un verset qui tient pour ça, cause en ligne pour comprendre, dans le mythe au monde. Allez à la Bible, allez. Parce qu'ils vont lire, mes parents aussi. Ils vont lire la Bible, ils vont trouver. Ils vont tout, pour être au terme, ils vont être c'est un bon on dit comme ça pour tout le monde comprendre. On dit après. Seule solution qui est. Oui, il a 5 enfants, ouais, c'est qui vous voyez. Si tu ne vas pas prendre en lit, la Bible dit toi pour moi. Si tu ne vas pas prendre en lit, elle a pris tort de vous regretter. Elle a tombé de la misère de vous passer. De vous trouver là. Les bibliques, ça vient de pas vivre sentimental. Non, pas battre. Tu battre. Il vous pleure. Là, je voulais dire faire mal. Il fait mal, il m'a fait mal. Moi, je prends mon tel à moi, animé. Hein? Moi aussi, je m'en dis. Parce qu'il voulait aimer la bien-aimé. C'est la parole de Dieu, dire, hein? Il dit, quand tu fais ça, tu peux éloigner ça, nickel, la sonore du séjour des mots. C'est qu'il a bien dire. On peut dire, c'est qu'il a bien dire. Et moi, je crois dans la Bible, puisqu'il dit pour moi. Les primaires sont paroles, on dire, sentimental, sentimental. On ne peut pas faire aucun effet dans moi. Donc c'est qui bon Dieu dit pourquoi. Et vous regardez les autres, c'est qui bon Dieu dit là, pourquoi là-dedans, vous mettez ça en pratique et vous trouverez vos résultats. Il y a des mecs pas vu sentimental. Faites des mots, il y a une sagesse avec mon Dieu. Faites des mots, il y a une sagesse parce qu'avec sagesse, nous gagnons beaucoup de victoires. Et d'être fléau dans le monde entier en relation avec nous en adoration. Vous voyez que ça fléau là? Fléau là, c'est qui? Bad santé, quantique. Bad quantique dans le monde entier, au lieu de baser à ce terrain-là, l'inspiration divine, pour que tout le monde soit rempli du Saint-Esprit, il baser l'eau la musique. Il baser l'eau au rythme de la musique. Il basé dans intensité la musique. Et bien, Djibout, qui peut sortir là. Ben, il y a même des bougés, même Djibout qui est au strade, il y a des etc. Et là, ça va être Djibout qui est dans la foule là. Ben, là, si vous avez ça même mouvement là. Et là, c'est ça l'émotion qui peut dérouler là. Tout peut dérouler avec ça l'émotion. C'est pas. Quantique là, c'est pas ce spirituel qui me prend compte, clair là, mais ce côté émotionnel qui me prend compte. C'est sur l'émotion. Et toi, avec ça, va le vivre sur la musique là, ben là, c'est ça qui peut remplir du Saint-Esprit là. Mais là, on peut remplir du Saint-Esprit là. Puis remplir, ça va être l'émotion. À ce temps-là, du monde, du sentimental, comment dire, il est pensé, il dit, non, mais bon. Ou il va l'appeler faire ça, mais il pourrait. Bon, on peut dire où ça peut tout y ben, ça fait comme ça, ça contribue pour détruire la vie du monde. Le bizarre,
sort au Seigneur, nous ouvrons nos équerres, nous sommes dans le vrai cantique spirituel. Et là, ça nous fait nous remplir du Saint-Esprit et bon Dieu, son nom pour glorifier. Il n'y a pas qui ça fait pour garder le temps. Côté sentimental, là, il n'y a pas mieux. Il y a une quantité de monde bien-aimé qui ont 10 jours dans la terre, du monde bien qui accepte tout. Il y a un gros fléau dans la terre. En relation avec Pan, c'est un bandit qui appelle homosexuel. Ben, dis moi qui ne choisit pas, dire pour ça aux autres sexes, si pas. Ben, dis moi qui ne choisit pas, si pas. D'autres gosses, aux autres vivent, pour matifier, etc. Ben, là, dire pour moi, laisse-moi dire pour là, ces autres soirs. Les autres, ces autres soirs. Tout soir, papa, c'est d'abord la route. Donc, vous connaissez qui faire? Parce qu'il faut pourtant nous dire beaucoup à l'amour de Dieu. Et tu sais qu'il faut pour Dieu content. Tu sais qu'il faut pour Dieu détester ou détester. On est soit dans la haine dans le cœur, on est dans la haine pour le mal. La Bible dit à vous qui aimez l'Éternel, haïssez le mal. Ayez le mal en horreur. Et la sagesse dit. Content tout une chose qui est en liaison avec la volonté de Dieu, mais détester tout une chose qui est contraire à la volonté de Dieu. C'est vrai, le mal. Quand nous commençons à accepter rien, petit bout. Allez, petit bout, là, grandit. Allez, lui. Tiens, dis vous commence à tolérer un enfant dans la case. C'est le mal. Allez, ça, on dit des enfants, trois enfants. Ça pour augmenter. Pour ça, la sagesse dit le mal, quand on oublie les petits même, grâce les petits yeux. Quand tu viens, le petit pays, une fois, un vrai diable, quand on trouve un 10 FC, un 10 il dit grâce, dit. Parce qu'il disait, là, un 10 serpent pour sortir la nourriture. Un 10 serpent là, pour venir un gros serpent. Elle a grossé à moi là, pour gagner la peine pour tout qui dit là. Tandis que là, il y a 10 frères, et puis ça l'a grossé. Ouais, puis elle a grossé là. Avant les vidéos, elle a grossé là. Et puis ça l'a grossé là. Donc, la sagesse dit, écoute bien, la sagesse dit, comment tu trouves le mal peut démarrer dans la vie qui gagne. Qu'est-ce qui est bizarre? Rastel Rodin Mazor. Verset qui dit, allume l'île. Dégue le mal. Finir en l'astéle. Sinon, il faut grandir. Arrivez à nous voir. Ça veut dire grandir dans le matin. Bien aimé, pas vivre sentimental. Comment on les autres? Pas vivre sentimental. Et pas prendre tolérer le mal. Pas prendre tolérer le mal dans la vie. Personne qui est en liaison avec toute la vie. Sinon, pas faire non rien, nous cascamoine, nous pas responsables, nous pas vivre ensemble, nous pas rien ensemble. Si tu as envie de vivre ensemble en bois, allez là, là d'après la Bible. Vous pouvez être envie d'après moi, mais toi nous vivons d'après la Bible. Et moi, je dis, moi, mon temps, carré zéro, je te montre ma salade. C'est pas la Bible, ça. Ça nous a regardé, oui. Mais on sait qu'il contient mort dans la volonté de Dieu. Tu viens dire, mais tu penses au niveau. Tu vas nous bourrer sans ensemble. Ah non. Ça va me d'accord. Tu les raisons ensemble en moi. D'accord, la Bible. Parce que c'est un bon guide, ça. C'est un bon appel. C'est un bon la force. C'est qui bon Dieu dit dans ce parole. Bien aimé, ce matin, ce qui m'a mis de Dieu, c'est laisse bon Dieu régler. Laisse-t-il régler nous. Laisse-t-il régler nous dans la foi. Dans l'amour, dans la sainteté, dans la sagesse, les bons Dieu régler nous. Pas revivre, pas nous pour dire qu'on peut vivre dans la terre. Pas faire ça et là. Ça va dire qu'il est dans la terre là. Pas la perte de direction, la perdition. Perte de direction, l'enfer. Pas suivre nous. Pas suivre là.
Quand on m'a dit, c'est pas pour l'année, perdre le supermarché, puis prendre la boisson pour caisse, perdre la case, perdre la mer, c'est pas, perdre beau la mer, perdre vivre la vie de débauche, c'est pas, pas si fort là, pas penser de manière de comme ça. Et nous, c'est nous qui avons fait pareil. Non. Non. Bientôt, Jésus va retourner. Et il promet de m'a dit, qu'il règle la sa volonté dans le ciel. Crois-moi, reste brûlé dans le feu éternel pour l'éternité. Père Matinaz. Père Matinaz, dis tout ça. Ton âme reste brûlé. Pareil, dis tout. Tu fais la bouteille, dis tout ça. La Bible est là, tu fais la bouteille, dis toi. Ton âme reste brûlé là-dedans pour tout le temps. C'est horrible, on va aller à l'équipe là-bas. On va aller à l'équipe là-bas. À cause de ça, tout simplement, en toute humilité, vous souhaitez voir Dieu et vous laissez le Saint-Esprit faire du travail, Seigneur. Faire du travail, Lord. Tiens, tout ce qui n'est pas bon, j'étais. Mettez toute la volonté de Dieu dans moi, réglez-moi selon la volonté de Dieu, qui tout la vie glorifie mon Dieu. Que la charité soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur. Ayez le mal en horreur. Si vous trouvez un rêve drôle, drôle, allez dans la Bible, vous trouvez pas drôle, non, toi qui drôle. Parce que la Bible qui dit Dieu, pas moi qui drôle. Si la Bible dit, non, pas drôle, parce que la Bible qui dit, la Bible qui dit. Ayez le mal en horreur. Attachez-vous fortement au bien. Laisse-nous bénir le Seigneur. Bon, bénis-toi, Seigneur, tout le monde. Donne-toi gloire. Toi qui comptes en nous, d'être l'amour éternel.